はい、皆さんこんにちは。本日はクストスの会場となるラレゼーフというホテルに参りました。このホテルはスイスでも一流と言われているホテルでございます。では中の方に行ってまいりましょう。していますけれども、フランク・ミラーさんが技術開発を提供しています。では早速サスーンさんですね、クストスのオーナーさんなんですけれども、はい、いらっしゃいました。ヴィラ、ハロー、ボンジョー、ボンジョー、コモサバ、サスーン、エアントニオ、コニチワ、ビアンベニューアジュネーヴァ、ビアンベニューアラレザーヴァ、ロメイオホテルデジュネーヴァ、もうジュネーブで一番のホテルですね、はい、そこでクストスさんがちょっとした場所をお借りして時計を展示されています。はい、alors est-ce que tu, vous pouviez les deux nous expliquer un peu pour les fans au japonais, au Japon, la, la marque, notre marque. Bon, alors Custo, c'est une marque de montre un peu high-tech, sportif, de haute performance. Mm-hmm. D'accord, oui. Alors, Custos va high-tech na, alors, 制作で、そしてスポーツ的なところあるんですけれども、それでもちょっとレベルはちょっとハイレベルのようなものを作っているそうです。Voilà, une montre très mécanique et aussi dans le domaine du nouvelles, design. Du design, des nouvelles technologies, mm-hmm. nouveaux matériaux. Mm-hmm. Et, mais bon, c'est mieux d'aller directement voir le produit, mm-hmm. comme ça on peut comprendre plus facilement et voir les choses. Mais c'est une nouvelle marque, hein, ça fait 5 ans oui. et ça marche bien. Oui. Et puis on alors, espère développer, vais... tu oui. vas traduire mm-hmm. oui. クストスはいろんなその、素材ですねを研究されたり、いろいろこう次の未来近未来的なところを、研究しているところで時計を制作してるんですけれども、今年で5年周5年目なんですけれどもでこれからサスーンが自分で見た方がいいと。Et là, c'est Antonio Terranova, oui. ah, le designer et artiste hein, de oui. Custos. Custos, le designer et artiste. Peut-être on marche là-bas en même temps. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, il va présenter le, les, oui. les premières collections, les premières pièces. Tout à fait. Ça, oui, après, c'est volontiers. Après. Ça, c'est oui. la plus belle. C'est alors, au début, la cinquième Allez, anniversaire. Voilà, la cinquième. Allez. S'il te plaît. Directement. Oui. Ouais, on va là-bas. Il nous regarde pas. Mais... Bon, s'il te plaît, Antonio, explique-nous. Alors, nous avons fait cette montre pour le 5e anniversaire de la marque Custos. C'est pour célébrer disons, ce 5e anniversaire et le succès qu'on a eu mm-hmm. avec nos meilleurs clients mm-hmm. et qui ont cru tout de suite dans le produit dès la première année. Donc, on a commencé à faire cette série par Singapour, Hong Kong et bien sûr pour le Japon. Mm-hmm. Donc il y a 5 matières différentes. Mm-hmm. Je vais expliquer. Okay. Okay. ではこちらが5周年目の作品なんですけれど、5周年記念の作品なんですけれども、お客様皆様信じてくれた、最初から信じてきてくれたお客様のためのお礼のエディション、スペシャルエディションなんですね。ではこれからメカニズムの説明をしてくれます。Alors comme je le disais précédemment, mm-hmm. On a choisi 5 matériaux mm-hmm. et nous allons faire 5 pièces pour chaque matériau. C'est-à-dire que pour chaque pays, mm-hmm. il pourra avoir seulement 25 montres. Mm-hmm. D'accord, c'est, mm-hmm. Le maximum, c'est 25 montres. Après, bien sûr, certains pays ne choisissent pas, par exemple, l'aluminium rouge, mm-hmm. l'ergal rouge. Donc, eux, ils vont peut-être choisir 20, oui. ou 15, ou 10, ou 5. Tout dépend oui. du marché. Mm-hmm. Donc, ces montres-là sont destinées
au meilleur client final. D'accord. Qui est passionné par la marque. D'accord. Alors, このブランドをずっと協力してくれた人たちのため の, あの作品なんですけれども、5周年ということで、あの時計を5つの素材で作っ、あの5つの各素材で作られていて、あのどの国のクライアントでも、この5種類を5個ずつしか頼め、注文できないそうです。Voilà, ça c'est la particularité du 5e anniversaire. Mm-hmm. Maintenant, je vous invite à voir. Je dirais qu'on a, on a évolué dans la marque, aussi à la demande de beaucoup de clients qui trouvaient notre montre, disons, trop futuristique, ou certains autres disaient on aimerait quelque chose un peu nouveau, avoir une meilleure lisibilité, etc. Donc j'ai écouté ces clients, et pour moi, le challenge cette année, c'était d'introduire des chiffres sur le cadran, qui est un cadran en verre saphir. Je pense que tu peux déjà. En verre saphir. Oui. D'accord. Le cadran. Oui. D'accord. では、ここも、お客様の声を聞いて、いたそうなんですけれども、ここでも新作でして、何が特別かというと、このダイヤルがサファイアガラスでできていて、普段はそう、サファイアガラスはただのこの上のかぶせるためのガラスなんですけれども、それをダイヤルにも使っていて、また素材をこう開発して新しいあのアイディアを考えて作ったようです。 Donc la difficulté, encore une fois, vu que dans la philosophie Custos on utilise la transparence des matériaux pour pouvoir révéler en fait tout le mécanisme et cette manière définir vraiment la qualité de réalisation, le handmade, etc. Et pour moi, la difficulté cette année d'introduire ces chiffres est de trouver la bonne police de caractère, la belle écriture, pour qu'elle soit lisible et bien sûr, en même temps, qu'il y ait un caractère Custos, unicité Custos, et encore maintenir ce jeu de transparence. D'accord. Custos, le point important, c'est la transparence de la transparence. でその透明感があることによってメカニズムも見えますし、あの正確さがまた必要とされますので、あの、こういうふうにいろいろデザインをして研究しているそうです。はい、Merci beaucoup Antonio。ではスッソンからの、あの日本の皆様へのメッセージですね。Alors, tu as un petit message pour les Japonais? Ah oui, ok. D'abord pour les filles japonaises, ils se trouvent très jolies. Et je viens aussi dans un mois. Voilà. Voilà. 1ヶ月後に、あの、クスト、あの、サスンさん、アントニオも Aussi Antonio? Non, il est marié, Antonio. Alors, サスンが、日本にいらっしゃるそうなので、あの、皆様、会ったら挨拶してください。バイバイ。バイバイ。さよなら。